Madame Lina Mbungu, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos lecteurs? Oui, donc je suis Lina Mbungu, j'ai 33 ans et j'habite au centre-ville Mille Bruxelles. Je suis candidate aux élections communales pour le parti NVA. Je suis jeune et dynamique et je m'intéresse beaucoup à la problématique du Congo, mais aussi les problèmes qui jouent ici à Bruxelles, en Belgique, pour les Congolais. Et vous vous retrouvez en politique. Quel a été le déclic? Comment justifiez votre engagement politique? Mais j'étais déjà très active dans beaucoup d'associations néerlandophones. Et en fait, par les associations, ça m'a ouvert la porte vers la politique, que je me suis dit, je veux faire changer les choses. Et j'ai décidé, voilà. Et qu'est-ce qui vous caractérise de tous les autres candidats? Parce qu'il y a plein d'affiches. La différence? Mais la différence, je dirais, la candidate dans le bon parti. Et parce que la NVA a toujours pris bonne position pour le Congo concernant la problématique, a toujours dénoncé les choses qui n'allaient pas au Parlement, que ce soit où. Et donc, c'est pour ça que je pense que je fais la différence pour les Congolais, en tout cas. Il y a plusieurs partis en Belgique. Vous êtes allé dans le parti où vous militez. Et qu'est-ce qui différencie ce parti des autres partis? Vous auriez pu aller dans un... Je sais pas, moi, je cite pas de parti. Oui, j'aurais pu choisir les partis traditionnels comme beaucoup le font. Mais le truc, c'est que la NVA, dès le début, a toujours pris bonne position pour la problématique du Congo. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve que c'est très important parce que je fais partie de cette nouvelle génération qui veut que le Congo change et qu'il s'améliore. Et voilà, c'est pour ça. Et justement, en parlant du Congo, ce qui se passe, vous êtes content? Non, du tout. C'est déplorable. Et donc, j'espère que... Quoi, par exemple? Mais les problèmes à Kivu, les problèmes même au Bas-Congo, au Lubumbashi. Donc, c'est partout. Il y a toujours quelque chose chez nous au pays, malheureusement. Et si vous avez un message à adresser aux électeurs en ce moment, ceux qui vous suivent, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre? Mais voter la NVA, pourquoi? Parce qu'ils ont toujours pris bonne position pour le Congo, pour notre pays qui est très cher, et qu'ils ne seront pas déçus par leur vote. Et vous n'allez pas non plus décevoir? Moi, je ferai de mon mieux. Honnêtement, je ferai de mon mieux de faire tout ce qui peut arranger notre pays. Bien, merci. Bonne chance. Merci. Pour le 14.